Protégez-moi! Tire de couverture! Allez, je sais pas que ça à faire. Ennemi repéré. Ellie seule. Allez, je sais pas que ça à faire. Protégez-moi. Ennemi repéré. Ellie seule. Allez, je sais pas que ça à faire. Ennemi repéré. Ellie seule. Allez, je sais pas que ça à faire. En position d'encerclement. On a un homme à terre.
Ennemi repéré. Elle est seule. Allez, j'ai pas que ça à faire. On l'a encerclé. Protégez-moi. On se protège. Ennemi repéré. Elle est seule. Allez. Elle est cernée. Ça va péter. Ennemi repéré. Elle est seule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tandis que nous pénétrons plus avant dans la vallée, je sens que j'ai été choisi personnellement pour cette tâche. Mes stigmates me démangent. Il me rappelle constamment ma mission divine et mon rôle singulier dans les desseins de Dieu.
Je n'étais qu'un enfant, étranger aux maux de ce monde. Une nuit, je me suis réveillé en hurlant, en proie à une douleur atroce. Le sang coulait le long de mes paumes. Quand je l'ai vu, j'ai été terrifié. Je ne peux pas plus échapper à cette mission qu'à mes propres mains. Jacob, je suis plus très loin de la gare de triage. Vous êtes arrivé ? Un insigne de grade d'ordre militaire. Les Trinitaires. Vous en avez mis du temps. J'ai bien cru vous perdre là-bas. Ça ne risque pas. Merci de m'avoir aidé à sortir. Dépêchons-nous ! On peut sortir par là !
Papa, est-ce que tout va bien? Papa? Vous auriez pu me laisser dans cette rivière. Vous m'y auriez laissé? Ça m'aurait traversé l'esprit. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? Alors, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à prendre autant de risques? La source divine. Je sais ce que vous êtes venu chercher. Je veux savoir pourquoi. Quand j'étais enfant, il n'y avait que mon père et moi. Il était archéologue, lui aussi. Les années qui ont précédé sa mort, il était comme obsédé par les mythes autour de l'immortalité. Évidemment, personne ne le croyait. Même pas moi. La dernière fois que je lui ai parlé, on s'est disputé. Il a décidé de se suicider. Je ne croyais plus jamais entendre parler de ça, mais... Quelque chose s'est produit. J'ai été témoin d'une chose. Contraire à tout ce que je croyais jusque-là, ça a vraiment tout bouleversé. J'ai réalisé que mon père avait raison sur tout. Il est mort tout seul. Il était brisé. Mais au moins, il est mort pour une cause. Vous pensez donc que la source divine existe? Honnêtement, je ne sais pas. Mais s'il y avait... ne serait-ce qu'une once de vérité, je dois le savoir. Il faut que la question soit étudiée et approfondie. La vie telle qu'on la connaît serait remise en question. On ne peut pas garder ça secret. Une remise en question n'est pas toujours bénéfique. Voudriez-vous que les Trinitaires détiennent le secret de l'immortalité? Bien sûr que non. Dans ce cas, je vous demanderai non pas d'abandonner votre quête, mais d'en détourner la trajectoire. Rejoignez-nous, mon peuple et moi. Aidez-nous à repousser Constantin et les Trinitaires. Et une fois que ce sera fait? Vous laisserez notre vallée en l'état. En sachant que vous aurez fait ce qu'il fallait. Non. Je suis désolée. Je peux pas faire ça. Ne peut pas? Ou ne veut pas? Je combattrai les Trinitaires à vos côtés, mais je dois découvrir la vérité. Si j'abandonne maintenant... C'est comme si c'était lui que vous abandonniez. Pas seulement lui. Il faut que j'aie des réponses, Jacob. Je veux le fin mot de cette histoire. Vous partez? Je suis très inquiet pour mon village. Il est à un jour de marche. De l'autre côté de la montagne. Il y a un raccourci par la vieille mine de cuivre. Vous, reposez-vous. Je reviendrai vite. Jacob, vous êtes là? C'est pas vrai. Où est-ce qu'il est? À nouveau seul. Jacob est parti devant. Il y a quelque chose chez lui qui m'échappe.
C'est à la fois bizarre et presque rassurant. J'ai l'impression que je pourrais lui dire n'importe quoi et qu'il ne broncherait pas. Je ne ressens aucun jugement de sa part, et en même temps, je n'arrive pas à lire en lui. Mon instinct me dit que c'est quelqu'un de bien. Et il m'a sauvé la vie. Je crois pouvoir lui faire confiance, du moins pour l'instant. Mais je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il n'en sait plus qu'il ne le dit. Laissez pas la cible s'échapper. Il faut qu'on sache pourquoi elle suivait l'équipe Bravo. Là-dedans, vous pouvez sortir maintenant. Elle doit encore se cacher. Rien. Mais c'est assez grand pour s'y cacher. Du sang. Quelqu'un est blessé. Reste où tu es! Je ne fais pas partie des Trinitaires. Je m'appelle Lara. Et ton arme n'est pas chargée. Le barillet est vide. De toute façon, le percuteur n'a jamais marché. Tu es blessée. J'ai juste besoin de m'asseoir un moment. Lara, c'est ça? Moi, c'est Nadia. J'aurais bien besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire? Mon grand-père est parti en douce du village dans la nuit. Je crois qu'il se dirige vers le vallon maudit, là où habite la sorcière Baba Yaga. J'essayais de le rattraper lorsque les envahisseurs m'ont... Avant ma naissance, la sorcière a tué ma grand-mère. Grand-père parlait toujours de se venger, mais... je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Le temps presse, et je ne suis pas en état d'y aller seule. Nous devons le retrouver. Je vais partir par là pour voir si je peux retrouver sa trace. Oh, merci beaucoup. Le chemin qui mène au vallon se trouve dans la grotte, à l'est d'ici. Le peuple de Jacob a été contraint à travailler là.
Une piste. Elle doit être très ancienne. Lara, j'ai trouvé une radio sur l'un des envahisseurs que tu as tué. Tu m'entends ? 5 sur 5. Je peux écouter les fréquences des envahisseurs pendant que je me soigne. Je te ferai signe si j'entends quelque chose qui pourrait t'aider. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le vallon maudit, Nadia ? Mon peuple évite cet endroit depuis des siècles. Lorsque les Soviétiques étaient ici, ils ont essayé de construire un avant-poste dans le vallon. Mais ils ont énervé Baba Yaga. Elle les a tous rendus fous. Grand-père m'a beaucoup parlé d'elle. Elle vit dans une maison magique qui marche sur des pattes d'oiseaux. Et tu y crois ? À la maison aux pattes d'oiseaux ? Je fais confiance à grand-père. Il était au goulag lorsque les Soviétiques ont emmené ma grand-mère dans le vallon pour les aider à étudier les ruines. La sorcière l'a tuée, et il ne l'a jamais oubliée. Une sorcière ? Tout droit sortie d'un conte russe ? C'est assez improbable. Fais attention, il y a quelque chose dans ce vallon. Il n'arrive rien de bon dans ce lieu. Quelque chose là-bas, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on va tirer ça au clair. Dans le vieux temple. Dirige-toi vers la passerelle en bois le long de la falaise. Il devrait y avoir une corde qui y mène. Ce chemin te mènera directement au vallon.
C'est quoi ce bruit ? Sans cet endroit divin creusé par le vent dans la roche, nous nous serions perdus à jamais. Nous connaissons tous l'histoire de l'éclaireur qui l'a découvert. Mais rares sont ceux qui savent que nous avons frôlé la mort. Nous étions perdus dans les montagnes, sans nourriture et sans espoir. Nous commencions à douter du prophète lui-même. Mais l'éclaireur a entendu le son et l'a interprété comme un signe. Seul, il a escaladé ses parois, guidé par la musique. Et là, il a vu notre salut. Cet autel ne célèbre pas seulement le courage de cet homme, mais aussi notre foi inébranlable. Si j'arrive à abaisser la porte, je devrais pouvoir grimper plus haut. Au moins, ce contrepoids fonctionne toujours. Contrepoids est coincé. Je dois franchir cette porte. Ça fonctionnera pas à ce niveau. Peut-être en le balançant. Il paraît que la première fois qu'on l'entend,
Ce son reste gravé en vous à jamais. Mes parents m'ont amené ici pour que je contemple le mystère derrière l'autel. Plus tard, j'y amènerai mes enfants. On dit que, sans la musique des montagnes, nos ancêtres auraient erré sans fin jusqu'à la mort. Mais les montagnes les ont appelés, tout comme elles m'appellent aujourd'hui. Peut-être en le balançant. Oui, c'est mieux comme ça. C'est quoi cette lame ? Je dois revoir mon timing. Il ne reste plus qu'à ouvrir la porte. C'est une formation naturelle. Encore un codex. Il contient une série de méditations sur la volonté. Le vallon maudit n'est plus très loin. Il te suffit d'emprunter la passerelle en bois le long de la falaise. Une étoffe rituelle portée par les prêtres pendant la messe. Il y a un petit campement. On dirait que grand-père est au moins arrivé jusque-là. Tu as presque atteint le vallon.
Nadia, je crois avoir trouvé le vallon maudit. Je sais pas si c'est Baba Yaga, mais... Nadia, ma petite fille. À présent, tu dois le savoir. Je me rends dans le vallon pour tuer la sorcière Baba Yaga. Je pars venger ta grand-mère. Il y a de nouveaux arrivants dans notre vallée. Des hommes armés qui arrivent en hélicoptère. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais si je veux y aller, c'est ma dernière chance. Tu mérites de connaître la vérité, mes raisons. Ton grand-père n'est pas un sage. Je suis devenu, en travaillant dur, un homme bon pour le bien de ta grand-mère. Mais je ne l'ai pas toujours été. Je venais de l'Ouest, où même un petit village est composé de milliers d'habitants. J'étais un jeune homme paresseux, et je rêvais d'une vie facile lorsque j'ai rejoint le parti, d'un bureau confortable dans la grande ville. Mais ils m'ont envoyé ici, au bout du monde, pour regarder des hommes et des femmes travailler et mourir de faim, pour participer à leur punition. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment me battre, jusqu'à ce que je la rencontre. Quelque chose ici. Fais attention, c'est son territoire. J'ai la tête qui tourne et... Oh non, il est trop tard. Non, c'est un rêve. C'est pas réel. C'est pas possible. Continuez, avancez. Lara, Papa ? Non, c'est pas possible. Non, attends. J'y suis presque, Lara. Mais... je suis où ? Il va jusqu'où, ce chemin ? Il y a par là, espèce de petit singe, tu sais. C'est pas réel. Pas lui. Papa, arrête, s'il te plaît. Non. Il faut que je me sorte de là. Je veux seulement partir. Je vous en prie. Non. Non. C'est pas possible. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Arrête! Je t'en prie, arrête! Moi. Pourquoi ça? Je t'en prie. Qui êtes-vous? Viens voir. Ha ha ha!
Honor go off, Alcar! En tout cas, je l'espère. Des hallucinations? Mais... il y a une fleur dans la vallée qui peut donner des visions. Mais elle a peu d'effet. Tu sais ce que c'est, cet endroit? Je vois des conduits, des canalisations... de fabrication soviétique, je pense. Ça doit être l'avant-poste que les soviétiques ont construit pour étudier les ruines. Ma grand-mère était une chercheuse, ils l'ont emmenée ici pour qu'elle les aide, mais... c'est la dernière fois que grand-père l'a vu. Il n'y a eu qu'un survivant, un officier, qui est sorti de là quelques semaines plus tard. Il a dit que la sorcière les avait obligés à faire des choses. Il y avait quelqu'un ici, récemment. Il y a des constructions au-dessus des ruines. Qu'est-ce que tu vois? On dirait une distillerie de fortune. C'est la même odeur que les fleurs. Merde, bien sûr! Elle distille les pollens, elle en fait une arme. Rien à voir avec la magie, Nadia. C'est simplement de l'ingéniosité. Mais attends, si elle était humaine, le pollen devrait aussi avoir un effet sur elle, non? Si elle a trouvé un antidote, on peut aussi l'utiliser. Je n'ai jamais tenu ma fille dans mes bras. Ils me l'ont prise sur la table d'opération. J'ai essayé de me battre, mais ils sont nombreux. Je suis fatiguée. Ils m'ont emmenée et ont séparé nos trois cœurs. Ils m'ont emmenée dans un vallon secret où se trouvent d'anciennes ruines. Ils m'ont dit que si je coopérais, je pourrais revoir ma famille. Je ne pourrais jamais faire confiance à ces monstres, mais je n'ai pas d'autre plan. Il y a des fleurs étranges ici. L'exposition au pollen a bouleversé mes ravisseurs. Ils ne veulent pas aller plus loin que notre petit avant-poste. Ils m'ont amené ici dans l'espoir que je trouve un antidote grâce à mon expertise en botanique. Enfin, l'État peut se servir de moi. J'acquiesce et je souris, je joue mon rôle. Mais ils ne me briseront plus. Pour ma fille, pour Ivan, je survivrai. J'arrive à le pousser.
Bon. Ça devrait suffire. Je vais essayer de rappeler Jason. Cela fait des semaines que ces vermines m'ont traîné hors du goulag, loin d'Ivan et de ma fille, dans cet étrange vallon. Ils m'ont chargé de trouver un moyen de neutraliser les effets inhabituels du pollen qui flotte dans l'air. Je pense avoir trouvé une formule qui fonctionne. L'extrait d'une des graines de la plante. Le foie d'un animal qui se nourrit de cette fleur ayant métabolisé la toxine, un dérivé de phénothiazine. Le dernier ingrédient présente un risque. Ils l'ont en grande quantité dans le goulag, où il est utilisé comme insecticide. Il pourrait aussi agir comme un neuroleptique rudimentaire, puisqu'il possède des similitudes chimiques avec d'autres composés que j'ai étudiés. Mais il pourrait aussi être toxique. Je testerai le mélange sur moi, ce soir. J'ai trouvé quelque chose. L'un des prisonniers a noté une formule qui pourrait neutraliser les effets du pollen. Ça doit être l'écriture de ma grand-mère. La sorcière l'a tuée et maintenant elle va nous aider à sauver grand-père comme dans l'une de ses histoires. Nadia... Fais-moi confiance, Lara. Rends-toi au complexe soviétique, là où on s'est rencontrés. Je t'aiderai à trouver ce qu'il te faut. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je viens de voir. Je suis entrée dans le vallon maudit, à la recherche du grand-père de Nadia. Mais j'ai failli y passer. C'était comme un conte de fées, mais vu à travers un miroir brisé et sale. Et papa, je sais bien que j'ai tout imaginé, mais le coup de feu résonne encore dans ma tête. Quelque chose d'horrible se passe là-bas. Même si je sais que ce n'est pas de la magie, c'est extraordinaire. Il faut que je découvre ce qui se passe. Mais d'abord, je dois trouver un moyen d'y voir clair.
Ça devait être un encensoir, pour brûler de l'encens, mais il a été transformé. Nadia, je suis revenue au complexe. Je dois commencer par où, à ton avis? Bon, d'abord, il nous faut les graines. Les fleurs poussent dans les grottes du coin. Il n'y en a jamais assez pour te rendre malade. Tu devrais pouvoir en récolter facilement. Pour les foies, ça devrait être facile. Les cerfs se nourrissent des fleurs. Il te suffit d'en chasser. Et j'ai une idée pour trouver de l'insecticide. Grand-père m'a appris à lire le russe. Je suis en train de chercher dans les listes d'équipements. Je te tiens au courant dès que j'ai trouvé. Très bien. Je vais commencer à rassembler les autres éléments. Voilà les fleurs. Maintenant, il me faut les graines. Lara, tu devrais écouter ça. Je te transmets le message. Toujours aucune nouvelle de l'équipe Bravo depuis l'appel de détresse. Il va falloir qu'on envoie une équipe de recherche. Terminez la reconnaissance du complexe soviétique et essayez de retrouver la trace de la cible. C'est lié à la disparition de l'équipe Bravo. Il nous faut plus d'informations avant de vous envoyer là-dedans. Bien reçu. Tu peux te mettre à l'abri? Je suis dans l'un des anciens abris et j'ai installé des pièges à l'extérieur. Dans le pire des cas, je peux utiliser le tunnel souterrain pour fuir. Mais il faut encore que je finisse d'examiner la liste. C'est normal pour toi, Lara? Je suis pas habituée à ça. Des gens qui veulent me tuer. C'est pas une chose à laquelle on s'habitue. Reste sur tes gardes.
Je suis avec Jacob. Il nous a dit de vous attendre. Mais ces vermines nous ont trouvés les premiers. Oh bon sang. Tout va bien ? Je m'en sortirai. Mais il me faut un endroit plus sûr au cas où les envahisseurs reviendraient. Il y a une grotte de l'autre côté du pont. Une tanière de loup. Ils n'iront pas chercher là. Mais je ne peux pas la sécuriser tout seul. Pas dans mon état. Si vous pouviez les tuer, on aurait un endroit sûr où se regrouper. J'aurais peut-être même quelque chose pour votre pistolet. Vous pouvez m'aider ? Oui, bien sûr. Ne vous faites pas voir, je reviens. Merci. Jacob avait raison à votre sujet. Vous avez nettoyé la grotte ? Il n'y a plus de danger ? Non, pas encore. Mais je vais le faire. Nous avons été stupides. Stupides et arrogants. Nous avons cru pouvoir les arrêter. Mais les hommes de l'armée rouge sont bien plus nombreux que nous. Leurs armes sont plus performantes et leur rang augmente de jour en jour. Beaucoup des miens, moi y compris, ont été capturés. Ils nous forcent à creuser les mines de notre propre montagne. Tôt ou tard, ils finiront par découvrir notre secret. Ce jour-là, nous devrons être prêts.
nettoyer la grotte? Il n'y a plus de danger? Non, pas encore. Mais je vais le faire. Dans les notes de grand-mère. La phénothiazine. Je crois que j'en ai trouvé. Ils l'ont stocké dans les niveaux inférieurs de l'usine de cuivre. Ils l'utilisaient pour exterminer les termites en été. Tu es sûre que c'est le même composé, Nadia? Je suis sûre que c'est le composé dans la recette de grand-mère, mais je ne sais pas si on peut le boire sans danger. On verra bien. Je m'y rends tout de suite. Thank you.
avez nettoyé la grotte? Il n'y a plus de danger. La grotte est nettoyée. Si vous vous y rendez, vous serez en sécurité. Merci. Tenez. Prenez ça. Jacob nous a dit de vous protéger, mais... les rôles ont été inversés. C'est bien du russe. Ces notes semblent indiquer un emplacement proche. Et je n'arrive pas à comprendre.
Encore de l'or pour moi. Je te l'échange contre du matériel. Je crois pas qu'il nous ait repérés, mais essaie d'être discrète, ok?
Des soldats soviétiques. Il y a eu un massacre ici, on dirait. Je pense à papa tous les jours. Je lui en ai voulu pendant des années de s'être perdu dans son travail, d'avoir poursuivi ce que je pensais être des chimères. J'ignorais tout de la vérité. Je n'arrête pas de me dire que j'étais jeune, que je ne pouvais pas comprendre. Mais je ne l'ai pas moins perdu pour autant. Et aujourd'hui, bizarrement, je me sens plus proche de lui que de son vivant. Il n'est jamais arrivé aussi loin. Mais je sais qu'il est avec moi. La source divine est ici, et je compte bien la trouver. Il avait compris qu'elle pouvait changer notre perception de l'âme humaine, qu'elle pouvait changer le monde. Mais il est mort désormais, et nul autre que moi ne sait qu'il avait raison. Encore de la propagande. Travailler dur pour combattre le froid et la faim. Lara, est-ce que tout va bien? Oui. Je suis au pied de la vieille usine soviétique. Je me dirige vers l'entrée de la mine, aux grosses installations. Vous pouvez me retrouver là? J'arrive tout de suite. Camarade, ce rapport fait suite à une découverte sans précédent dans les montagnes de la station Liberté. Notre équipe d'extraction en profondeur a mis au jour une gigantesque grotte remplie de ruines splendides et d'artefacts tels que notre patrie n'en a encore jamais révélé. Les ouvriers issus de la population native sont très agités depuis ces événements. Il est clair qu'ils savent quelque chose à propos de ces ruines. Nous allons désormais les faire travailler nuit et jour, car je sens que nous sommes sur le point de faire une découverte exceptionnelle. Je l'ai trouvé. Je vais mélanger les ingrédients. Des nouvelles de la patrouille? Je viens d'intercepter une autre transmission. Ils sont en mouvement. Ils sont où maintenant? Ils... Oh non. Ils se dirigent droit sur toi. Tu pourrais peut-être les esquiver, mais il est sans doute trop tard. Désolé, là. Merde. Thank you.
Il est mort! Liquidez-la! Prête pour essayer l'antidote? Je ne trépigne pas d'impatience, à vrai dire. Si ça marche, j'en ferai pour moi et te retrouverai dans le vallon. Je te préviendrai quand j'y serai. Comme des animaux. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan et 1 an en Indonésie et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise. Que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. Tous les hommes à l'excavation. Mais au bout d'une semaine, les gars se sont révoltés. Ils ont fini par en avoir marre, c'est ça? T'as vu comme c'est glauque ici? Ah!
ces lumières fonctionnent encore. On dirait de la pêche blinde. Ça devait être une mine d'uranium. Ça alors, ils sont vraiment anciens. Qu'est-ce qu'ils ont découvert là-dessous ? Ça a l'air inflammable. Entrée. Encore des artefacts. Ils ont dû découvrir un vieux passage. Il faut que je vois ça. Cette flasque appartenait à un soldat de l'armée rouge. Je ne reconnais pas cet insigne. Elle est encore à moitié pleine. J'en aurais peut-être besoin avant la fin.
Je dois l'envoyer par-dessus l'eau. Quoi qu'ils aient découvert, ça doit se trouver là. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Quelqu'un cachait des outils. Nous ne pouvons plus attendre que nos frères à l'extérieur de la mine se soulèvent. Les Soviétiques ont découvert une chose plus précieuse que le minerai toxique. Ils ont découvert l'histoire de nos ancêtres et ont pillé leur tombe. C'est leur dernier crime. Au début, nous pensions que les anciens gardiens se réveilleraient pour punir nos bourreaux. Mais je sais désormais que c'est à travers nous que la vengeance de Dieu s'exercera. Nous rassemblons nos forces, réunissant des pioches et des haches en secret. Bientôt, ceux d'entre nous qui en ont encore la force se révolteront pour enterrer l'oppresseur ici même. Avant qu'ils ne détruisent notre passé et notre présent. Des mineurs et des armes de fortune.
Il doit y avoir un moyen d'arrêter l'eau. Mécanisme pour déclencher une bombe. C'est la même fabrication. Il a dû mettre un temps fou à rassembler tous les éléments. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Ça y est, j'y suis presque. Je dois trouver un moyen de rentrer. Une fois l'uranium quasiment épuisé, j'ai craint pour le futur de la mission. Mais alors que nous allions fermer le puits, le destin est intervenu. Nous avons trouvé une salle, en partie détruite par un éboulement, mais clairement construite par l'homme. Les objets qu'elle contient sont anciens, ils ont presque un millénaire, et personne n'y a touché depuis que le tombeau a été scellé. Nous avons redoublé d'efforts. Au lieu d'extraire le minerai, les ouvriers fouillent désormais la chambre pour récupérer les artefacts. Nous avons beau avoir brisé leur volonté, les natifs de la vallée rechignent à la tâche, comme s'ils ne voulaient pas que ces reliques soient mises au jour. Certains jeunes hommes vont devoir servir d'exemple avant que leur regard noir ne dégénère en quelque chose de plus sérieux. Des chariots. Ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Moyen de la bloquer pour de bon. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot.
On dirait que les mineurs ont fini par se venger. On dirait qu'ils l'ont traîné jusqu'ici. Réflexion philosophique sur les vertus de la conscience. C'est dans un sale état, entre les fouilles amateurs et l'effondrement. Mais ça doit être lié au prophète. C'est grâce à ce puits qu'ils ont dû découvrir tout ça. Ça doit être aussi la sortie.
Des plaques d'identité militaire soviétique. Modèle standard. Au nom de Yuri Ravdonikis. Le mot condamné est inscrit au dos de la plaque. La médaille des héros de l'Union soviétique. C'est le plus haut titre honorifique décerné pour acte de bravoure. C'était peut-être à l'un des officiers du goulag. Une autre plaque soviétique.
Sienna qui sont tombés sans les ruines. Des traces des deux fugitifs. Je sais pas, je vois pas vraiment. Mais j'ai perdu le contact avec l'équipe de Rocco qui est en bas. Bien fait. Je vais prévenir les équipes de devant qui sont là. Tu vois du mouvement? Négatif, mais je suis très bien placé. Je te fais signe si je vois quoi que ce soit. Terminé. Thank you.
L'armée rouge a fini par découvrir le temple de la grâce du prophète. Ils ont arrêté leurs autres opérations et ont commencé à piller les trésors de nos ancêtres. Nous sommes prêts. Avec l'aide des autres prisonniers, nous avons réussi à rassembler des armes et des explosifs. Après avoir détourné l'attention des gardes, nous profiterons du chaos pour nous révolter. L'armée rouge a été sans pitié envers nous. Et nous ferons de même. Nous tuerons ces envahisseurs jusqu'au dernier. Alors seulement, notre secret sera en sécurité. Une mer de noir. Sûreté un peu, sauvegarder des fichiers pour mon usage perso, quand je suis tombé sur un fil de discussion. Me concernant. Et le pire, c'est que je crois que j'étais censé le trouver. Le chef de la sécurité sait que je diffuse certaines infos. Depuis le début, probablement. Et pour le moment, il se contente de m'observer. Histoire de voir où je veux en venir. L'ennui, c'est que je n'ai rien prévu. Je vais crever parce que je suis curieux et stupide. Je suis même plus sûr que ce canal est sécurisé. Ils t'ont peut-être déjà repéré. Je deviens parano. Mais les Trinitaires, ils plaisantent pas. Ils sont partout. Plus j'en apprends, plus je réalise à quel point j'ai déconné. Alors je vais te faire plaisir. T'avais raison. Ça m'étonnerait. Ce serait bien trop facile. Fais voir le rapport d'activité. Ils ont bien dimensionné ce coffre.
Selon le manifeste, les soviétiques auraient placé les artefacts qui ont le plus de valeur dans ce coffre. Va falloir le forcer. Qui a le chalumeau? Je m'en occupe. Bon, écoutez tous, ne touchez à rien. Faites l'inventaire de tous les artefacts que vous trouvez. Tous ces trucs sortent de la mine? Ouais. D'après les derniers rapports, ils ont stoppé l'extraction dès qu'ils sont tombés sur ce site. La révolte a commencé juste après, dans la confusion. C'est très ancien. Les inscriptions sont en russe. Une idée de ce que c'est? Un mélange de grec et mongol, je crois. Là, ouvrez le feu! Voyez-vous, il faut qu'on l'encercle. Allez, Aztec, tout est là!
partez. C'est fini. Continue, ça va devenir une habitude. Merci. Ravi que vous soyez là. C'est votre raccourci ? Oui. Mais on ne sera pas les bienvenus. Vous n'êtes pas obligé de venir. Ça suffira pas à me décourager. Je veux toujours avoir des réponses. Alors ne perdons pas de temps. Le passage va nous permettre de traverser la montagne. Mon peuple l'utilisait avant que les soviétiques n'arrivent et se mettent à creuser. Qu'est-ce qu'ils ont déterré ? De quoi éveiller leur curiosité ? Ils se sont servis de machines et d'explosifs pour creuser plus loin. Ils ont fait beaucoup de dégâts. La plupart des anciens passages se sont effondrés. Mais on ne risque plus rien. Enfin, on ne risquait plus rien. C'est pas très rassurant, ça. Les Trinitaires ont dû trouver le vieil équipement minier. Ils vont essayer de finir ce que les Soviétiques ont commencé. Il n'y a pas d'autre chemin pour passer. J'ai bien peur que non. Plus maintenant. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe ? On est à la bourre ? Chut ! Attends ! Les fils sont tous corrodés, mais je peux faire une dérivation. J'y suis presque ! Ils vont finir par tout faire s'effondrer. Les Soviétiques ont détruit la plupart des anciens passages. Ces machines n'ont pas été conçues pour faire dans la délicatesse. On va se faufiler discrètement. J'attends ! Allez tourner, Sophia ! Les Suites et les Trinitaires sont là ! Vous m'entendez ? On peut peut-être remettre ce...
ça. Attends ! Je regarde ! Ok, ok ! Je peux mettre cette console en marche ! On sortira pas par où on est arrivé. Faut réparer ce port de charge. Je sais, mais... Je vais tenter un truc pour voir. Merde ! Le mont de charge est coincé. Les rails sont complètement rouillés. Bon, déployez-vous. Trouvez quelque chose pour le décoincer. C'est parti. Voyons cette console de plus près. C'est là que je dois aller. Peut-être que si je coupe ces cordes... Ça devrait servir. Je vais pas pouvoir utiliser le monte-charge. Je dois trouver un autre moyen de monter. Je vais pas pouvoir utiliser le monte-charge. Je dois trouver un autre moyen de monter. Je vais pas pouvoir utiliser le monte-charge. Je dois trouver un autre moyen de monter. Je vais pas pouvoir utiliser le monte-charge. Je dois trouver un autre moyen de monter. Je vais pas pouvoir utiliser le monte-charge. Je dois trouver un autre moyen de monter. De prendre connaissance de ces missives au plus vite. Nous n'avons reçu aucune directive depuis la découverte des ruines. Nous continuons à étudier les artefacts et les parchemins récupérés sur le site. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semblerait que nous ayons découvert les ruines de la légendaire cité de Kitej. Il est également fait mention d'une sorte de figure messianique. Si mon interprétation des textes est juste, il s'agissait d'un prophète ayant fui Byzance au cours du Xe siècle. D'après ses écrits, il transportait un objet d'une grande valeur. Pour l'instant, j'ai suspendu les opérations d'extraction. Je compte bien découvrir la vérité sur ce mystérieux prophète. Perdu.
disposons désormais d'un lourd équipement dans la grotte principale, et nous projetons d'accéder à une sorte de temple, même si nous devons pour cela enfoncer ces portes antiques. Nous avons découvert et étiqueté des centaines d'artefacts, mais deux équipes de surveillance ont disparu dans les mines. J'ai interrogé moi-même les prisonniers natifs. Ils disent ne rien savoir de ce qui est arrivé à ces gardes. Nous avons eu beau les punir sévèrement, je crains qu'ils ne fomentent une révolte. C'était juste. Cette fresque dépeint le prophète, prêchant à Constantinople. Encore séparés. J'espère que Jacob est toujours en vie. Je ne sais pas vraiment où je suis. C'est l'histoire de ma vie depuis quelque temps. Je me bats pour survivre, et pourtant... je suis pleine d'espoir. Je suis entourée de ruines incroyables. Ça doit faire partie de la cité perdue du prophète. Mais où commence la légende ? La source divine est-elle ici ?